J'ai eu des fous rires, j'ai eu voilà, des petits loupés, j'ai eu mon fouet qui a cassé au milieu d'une recette de cuisine. Mais bah, c'est les aléas du direct et puis bah, ça fait, je crois que ça fait plus rire et puis c'est des bons souvenirs. Je compte sur vous pour participer pendant l'histoire. On a mis une semaine à réfléchir au projet, à faire appel à un youtubeur qui nous a fait le jingle, une copine qui nous a fait l'habillage, le réalisateur de mon mari qui a fait la réalisation en direct. Et puis bah, moi, j'ai construit toute la trame, j'ai récupéré du matériel, j'ai construit le décor, j'ai mis toutes mes idées sur papier et puis voilà, c'était parti quoi. Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans cette première émission de La Maîtresse part en live. Au début, non, ça n'a pas été facile. On a fait quelques essais, mon mari m'a briefé un petit peu. J'ai commencé à être vraiment à l'aise au bout de 4-5 émissions. Qui est gelé, regardez bien comme il est gelé, il a la boutonnée. C'est un atelier sur les pays. C'est l'avantage de YouTube, quoi. Ça dépasse les frontières. J'en avais qui venaient du Canada, d'Afrique, de Nouvelle-Zélande. Je l'ai vraiment vécu comme une parenthèse et comme une occasion en or. Mais j'avais envie de retrouver le contact avec les élèves. Alors le bruit, c'est sûr. J'ai du mal à me réadapter au début. L'émission m'a permis, je pense, là en prenant du recul sur cette année, de m'améliorer dans ma pratique. Que ça soit au niveau aisance, au niveau théâtralité. Je ne suis jamais considérée comme une star et les médias ont beaucoup monté ça en épingle en disant la star, la maîtresse devenue star. Non, je suis restée une instite à faire mon métier. Et puis ce que je garde de tout ça, beaucoup de reconnaissance de parents et ça fait vraiment du bien parce que la reconnaissance, on la voit souvent en fin d'année où c'est un peu la fête des maîtresses, la fête un peu commerciale. Et donc là, cette reconnaissance de fin d'année, en fait, je l'ai eue tout au long de l'émission.